Juge, instruction, garde Aurélien, sorti dans le silence, li, juge là, parle. Li dénoncé en pile complot qu'a fait sous lui, dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Et m'a rappelé au chef tribunal, doyen Bernard Saint-Ville, li retiré dossier assassinat président Jovenel Moïse, nommé juge Gary Aurélien. Mais, juge Gary Aurélien lui-même, li sermenté li pa fon paquita, en panago, c'est là la pride. Il bay tout raison yo, ou pral tande yo talè, nan yon interview li te fait avec journaliste confrère nou, Wendy Fell. Nan interview, juge en profite fait trois péchés capitaux. Ah, c'est pas parler pour parler, non? Juge en, ge trois péchés capitaux li fait, ou pral konnen yo tout. Gros danger pour secteur industriel. Parc industriel Caracol qui dans département Nord menacé pour fermer porte yo. Ah oui. En pile entreprise qui dans parc industriel Caracol menacé pour fermer porte yo après que plusieurs dizaines ouvriers yo même yo prend la rue, y a revendiqué, y a manifesté contre chômage déguisé, contre travail forcé, contre en forme d'esclavage moderne qui gagne en dans parc Caracol. Eh bien, rete là, pour ajouter tout détail, pour ajouter un mini interview qui réalisé avec ouvrier qui était dans la rue, qui t'a manifesté, et sortant d'ailleurs, il y a des gens qui même prend balle dans le parc industriel Caracol. Tout détail, ça, nous pouvons pour une émission, mon éditorial, jeudi. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Taxi 609, tout haïtien connecté. Une autre fois, encore, je vais rappeler une émission, mon éditorial, jeudi, c'est vendredi, week-end a commencé, et principal n'a pas changé. Pas boire si wap conduit, pas conduit si wap boire. Alcool ak volant, pas ami, veille côté wap et pio. Dernière présentation, c'est toujours Mimi Yannick la même voix. Un n'est pas changé, un allé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. M'a rappelé pour nous, 6 janvier passé, RNDDH Pierre Espérance met un rapport dehors qui indexe directement juge d'instruction Gary Aurélien avec greffier Élisée Cadet comme moun qui participe dans la corruption, comme moun qui vend, qui marchande, qui liquide dossier assassinat président Jovenel Moïse au plus offrant. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire RNDDH dans le rapport où mette dehors estime que juge instruction Gary Aurélien il prend l'argent pour le don des moun, juge instruction Gary Aurélien il prend l'argent pour le retirer mandat des moun, etc. Donc jodi an la juge instruction Gary Aurélien vin lave nol, vin clean non li, vin pote un démenti formel avec Pierre Espérance RNDDH. Premier remarque moi-même pral fait avant même faire nous tendre parti côté juge instruction Gary Aurélien l'a démenti ensemble d'accusation ça yo que RNDDH mettait dehors que Pierre Espérance a véhiculé. Donc remarque là c'est qui ça lié jodi an la gros ensemble de personnalités publiques en dedans pays qui prend micro la presse pour tribunal yo, qui prend micro la presse, qui prend journaliste pour juge. Parce que leur accusation qui pote sous moun sa yo, kote pou yo vin fè démenti an, c'est dans micro la presse. Alors que tribunal là, alors que ou ka pote plainte contre moun pour diffamation, ou ka rel moun nan tribunal pour diffamation, donc jodi an la m comprenn très mal. Et d'ailleurs, on juge instruction qui nan milieu judiciaire là, qui konn sa diffamation vle di, qui konn sa fè menti sous moun vle di, qui konn sa principe yo di, l'homme on a sal non a sal image qui toute action qu'a intenté qui tout ça qu'a fait pour permettre moun sa retirer sal di yo faire moun sa payo menti l'a circuler et puis jodi on va attendre une instruction Gary Aurélien qui préférait utiliser média qui préférait utiliser la presse pour pourtant démenti avec ça Pierre Espérance a dit dans rapport à RNDDH et même dans micro la presse on va aller rapide vite pour nous tendre une instruction Gary Aurélien qui t'a parlé avec Wendy Fell rapide vite nous parler et puis après n'a pas tourner
avec tout le respect que je gagne pour la corporation, ainsi que les membres du corps, et les membres du corps du CSPJ, moi, je voulais dire la vérité aujourd'hui. Moi, j'ai un pire retenu par rapport à la loi qui fait obligation pour que moi pas étalé sous scène publique à traiter en tant que magistrat. Mais honneur et honneur famille attaqué nous dit que il est temps et son être. Nous n'avons aucun problème avec quelques citoyens qui ont gagné un intérêt quelconque, inavouable. Mais cependant, honneur aux magistrats dans tous les pays du monde, l'irrité en bagaille sacré. Et c'est pour ça, jodi, hein, nous prenons courage nous à deux bras. Et nous devons la nation, et nous devons le monde entier, pour nous dire honnêtement, Gary Aurélien gagne un parcours dans le système judiciaire là, qui est irréprochable jusqu'à cette minute, avec un pile émotion, avec un pile consternation. Nous voyons que y a un individu monté au créneau pour souhaiter saler l'image. Nous faisons trois juridictions pour nous dire mieux, nous faisons trois départements lorsque nous avons occupé poste de substitut commissaire du gouvernement et commissaire du gouvernement AI dans l'appareil judiciaire. Ça. Nous passons un temps pour que nous avons exercé profession avocat et nous devons prendre courage nous à demain pour que nous t'intégrer magistrature là. Et jusqu'à présent, nous étions avec honneur nous étions avec fierté nous étions avec sentiment nous étions avec nous-mêmes, nous égal à nous. Je dis à nous trouver que c'est inconcevable. Pour que yon moun ta gagné yon bagay pour le dire, li ta wè que c'est sous Magistrat Gary Aurélien pour le dire. Nous regrettons ça. Et nous avons profité pour nous couper nous très bas devant l'association magistrat noir, association tout greffier, huissier, qui connaît personnalité ça. Ici, au monde qui gagne jusqu'à présent, colonne vertébrale, les droites. Nous regrettons ça. Je dis à nous devons face à une situation que personne ne peut accepter. Son j'aime se rappeler nous, moi dis nous, dans l'interview, j'ai instruction Gary Aurélien Fer, il y a trois péchés capitaux que le fait là-dedans. Nous pral dire que nous pral détailler bagaille bout par bout pour nous expliquer. Parce que quand j'ai instruction, on juge un magistrat instructeur jodi an la, li gen responsabilité pour li enquêter, li gen responsabilité pour li chercher indice, li gen responsabilité pour li tande témoin, auditionner tout moun qui impliqué de près ou de loin ou bien on témoin dans cadre dossier. Et notre dossier assassinat président Jovenel Moïse, gen yon pléiade gon multitude de moun que juge instruction Gary Aurélien li gen dans viseur li. En quantité moun que ce soit et moun qui était en relation directe avec Jovenel Moïse, avec Martine Moïse, moun qui gen non yo a cité par la clameur publique, ça veut dire moun nan la ou kap cité non yo, média kap cité non yo, journaliste kap cité non yo, moun qui implique directement dans dossier, c'est responsabilité du juge pour le rené ou pour entendre. Mais qui s'acrivait, on a parlé on juge, on a parlé de pouvoir judiciaire là, faut nous songer que il y a trois pouvoirs dans l'état. Il y a pouvoir exécutif, il y a pouvoir législatif, il y a pouvoir judiciaire. Donc trois pouvoirs ça yo censé c'est trois pouvoirs indépendants. OK? Là on a parlé de pouvoir exécutif là. Dans pouvoir exécutif là, jeune président, premier ministre ou jeune ministre. Dans ministre, il y a ministre de la justice et sécurité publique. Actuellement la ministre de justice c'est Bertrand Dorsey. Nous gagnons pouvoir judiciaire là, les mêmes qui sont au pouvoir à part. C'est vrai que les budgets montés, c'est l'exécutif qui a loué, qui mettait l'argent dans la poche pouvoir judiciaire là, pour tribunal fonctionner, pour cour fonctionner. Mais c'est pas pour autant qui fait, ou t'as supposé lier, qui t'a loué, permettre à ce que l'exécutif là fourre bouche dans les affaires législatives là, qui t'a permettre à ce que l'exécutif là fourre bouche dans les affaires judiciaires là, pas t'a loué, y'a bagaille comme ça. Mais,
Jodi an la, le map tan de juge d'instruction Gary Aurélien kap pale, qui fait comprendre que enquête assassinat Jovenel Moïse li pa ka avancer parce que jusqu'à date, gen yon quantité moun pou yo t'attendre, que ce soit colombien yo, que ce soit haïtien ou américain ou James Zola, Joseph Vincent, Emmanuel Sanon, que ce soit policier sa yo yo arrêté dans le cadre d'enquête sur l'assassinat Jovenel Moïse. Yo pa t'attendre moun yo parce que gon impossibilité moun sa yo, yo pa gen avocat. Donc dès pour rentrer dans ligne côté que moun nan li pa gen avocat, c'est que garantie judiciaire yo pa respecté. Et là n'a parlé de garantie judiciaire, fok présumé coupable, fok li gen droit pour un avocat. S'il pa ka payer un avocat pour assister, c'est obligation l'état. C'est obligation système judiciaire, c'est obligation et tribunal pour mettre avocat à la disposition de présumé assassin, de présumé coupable. Donc les juges ont fait comprendre que lui-même et lui finit former droit un tribunal en parlant de Bernard Saint-Ville et puis après lui informer ministre, le ministre de la justice. Faut me rappeler pour juge d'instruction Gary Aurélien, lui pas lié d'une manière ou d'une autre avec ministre justice. Ministre justice, lui pas autorité de tutelle. OK? Coupez-moi ça, cette question à dire informer et ministre ou ministre justice. Non. Ou pas qu'on a informé Bertrand Dorsé de quoi que ce soit parce que ou pas aucun lien avec Bertrand Dorsé, ou pas aucun lien avec quoi que ce soit qui travaille dans le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Parce que le pouvoir exécutif, c'est un pouvoir qui est indépendant. Bon, nous allons entendre et puis nous allons comprendre très bien ça m'expliquer nous. Échéance va arriver en décembre. Moins écrit doyen moins. Maître Bernard Saint-Ville, pour moi, informer que, vu ampleur dossier, vu mode audition que n'a fait, Mounio a voyé dans plusieurs autres circuits, donc audition vient amplifier chaque jour, et nous avons des gens qui sont en prison que nous pouvons attendre, faute de moyens. Yo pa gen avocat. Ce que nous fait, entre parenthèses, nous toujours fait bagay yo administrativement. Nous t'es écrit ministre de la justice là, pour nous faire part de questions hein, que, et difficulté qui gagne pour que nous auditionner colombien yo qui n'en prison. Mm-hmm. Donc, ça yo passe. C'est parce que nous pas rentrer directement dans détail administratif qui fait en d'un dossier. Ce que doyen en dit, bon, nous-mêmes, nous dit que nous avons fait et en réponse avec doyen, hein, pour nous dire exactement ça que la loi dit. Mm-hmm. Doyen cite deux articles. Il prend décret et article 97 du décret du 22 août 1995 mm-hmm. sur l'organisation judiciaire qui fait de lui un administrateur. Nous, est-ce que ça fait écho dans la presse? Et ça n'aura aucune incidence sur le dossier. Écho, la presse n'a pas campé dossier pour ça. Si bémol, ça a fait nous te vin avèl pour nous kaido comprendre. Parce que nous-mêmes, nous pas seulement vin baou information, nous aidons comprendre information. Jodi an la, c'est problème ça qui gagne dans la société, c'est problème ça qui gagne dans la justice, ni dans le législatif. Parce que, nèg yo pa konn limite yo. Nèg yo pa konn limite yo. L'on dit que, ou informe ministre ou ministre justice, à quelle fin? Ou pa gen compte pour baye ni ministre justice, ou pa gen compte pour baye ni et premier ministre, ou pa gen compte pour baye qui que ce soit dans le pouvoir exécutif, parce que ou pa lié avec yo ni de loin, ni de près. OK, on fait travail indépendant, on fait un travail dans pouvoir judiciaire là, on enquête sur mon dossier. Moun sa yo, moun ki arrêté yo, que ce soit colombien yo, que ce soit haïtien ou américain yo, yo nan possibilité pour yo joindre un avocat assisté yo, c'est pour ça qu'il y a des avocats commis d'office, c'est pour ça nan barreau Port-au-Prince là, nan barreau Croix-des-Bouquets, nan chaque barreau gagne des élèves avocats qui prend formation. Gen des élèves avocats qui prennent formation, gen avocat commis d'office qui n'a pas ou à la, utilisez service, gardez aux États-Unis.
Regardez aux États-Unis, c'est ça qui fait a toujours une différence ça. A toujours une différence, a toujours une écart. N'a pas en Haïti bagaille a préculé puis dans l'autre pays États-Unis là qui prend dossier assassinat Jovenel Moïse en Babrel, bagaille a marché. Le arrêté Mario Antonio Palacios, il rentre avec les États-Unis. Mario Antonio Palacios dit il pas gain l'argent pour le payer un avocat. Qui ça juge en fait? Qui ça Olivia te fait lui-même? Li ba Mario Antonio Palacios un avocat comme il office. Li ba li un avocat qui pour défendre lui, qui pour assister. Donc je dis là, on va dire tout le monde ça qui gagne près de 6 mois dans pénitentiaire national puisque pas jamais un grand avocat qui assiste, on pas jamais tendez. On pas jamais qu'attendez et puis je dis là, n'a bataille, n'a font paquet tollé dans quatre dossiers, yo mande un dossier, je vais kembe dossier toujours à quelle fin? À quelle fin si nous pas kabay moun sa yo nous arrêter des garanties judiciaires. Si nous pas kabay un avocat. Si nous pas ka permettre à ce que gagner un équilibre qui fait dans dossier là ça n'a pas fait sens c'est ça qui fait l'autre côté n'a pas un système judiciaire marché États-Unis n'a pas un gros avancé qu'a fait dans enquête là et puis la caille pas nous n'a toujours dans laisser frapper avec droit en tribunal a toujours gain laisser frapper avec juge d'instruction ça qui est extrêmement important c'est le fait que juge d'instruction Gary Aurélien il dit carrément il dit très clairement que il était informé doyen oui il doit informer doyen que garantie judiciaire pas respectée il doit informer et doyen que moun sa yo pou t'attendre yo faut que yo ta un avocat qui assiste yo comme pas gen avocat et li pas attendre moun yo mais maintenant l'œil fini formé doyen ça qui se chef tribunal là faut que doyen lui même faut qu'il te ka fait suivi yo faut que doyen te ka rentrer pour parler avec différents barreaux qui gen nan Port-au-Prince là nan l'ouest là pour bay des avocats qui t'a venu assister moun yo parce que si yo pas si yo pas gen l'argent là pour payer avocat donc d'une manière ou d'une autre faut que l'état haïtien bay un avocat faut que l'état haïtien mette avocat assister yo donc faut qu'on pose des questions est-ce que c'est seulement juge d'instruction Gary Aurélien qui pas permettre à ce que dossier avance ou bien tout doyen tribunal là doyen tribunal là du fait que il pas prend responsabilité le gain yo ça met en lenteur tout dans dossier. Ça mettait en lenteur tout notre travail juge d'instruction Gary Aurélien en fait. Parce que pas de deux poids deux mesures. Soit ça ou bien pas ça. Et c'est ça que faut, ouais. Dans l'interview sans juge Aurélien, bah là, juge Aurélien peut-être lui fait de manière inconsciente, comme ça tout le cas fait, pour permettre à ce que moun qui ka des les vérités, moun qui ka ouais, qui ka li entre les lignes pour comprendre. Parce que s'il dit carrément qu'il était informé doyen doit faire les suites nécessaires. Est-ce que nous comprenons? Donc là, ni juge Gary Aurélien, ni doyen tribunal Bernard Saint-Ville, y a un compte pour rendre dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Parce que lenteur dans tout, li sorti la caillou tout de dans l'appareil judiciaire. Deuxième péché capitaux. RNDDH sorti un rapport qui impliquait, qui indexait directement juge d'instruction Gary Aurélien avec greffier Élisée Cadet. Greffier, c'est auxiliaire justice qui travaille avec juge sur dossier. Le juge auditionne au monde, c'est lui qui l'a prend note, etc. Donc, il travaille avec juge dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Dans le rapport à NDDH, Pierre Espérance fait comprendre que Élisée Cadet, qui ça le fait, Élisée Cadet est allé dans RGNT Corps, li allemande moun yo on machine. Et m'a rappelé pour RGNT Corps, c'est maison machine ça, maison k'ap loué machine ça, c'est lui même, c'est la kayo John Joel Joseph te vin loué machine ni pour Colombien yo, ni pour tout l'autre nèg qui a participé, qui t'a participé, qui te mette plan pour assassiner Jovenel Moïse. Et comme copropriétaire, copartenaire dans RGNT Corps, il y a Oli Damus, que juge d'instruction Gary Aurélien te mette un mandat d'amener d'elle avec une interdiction de départ. Pierre Espérance fait quoi que Nexa, qui est Oli Damus, greffier, t'as vu faire le chantage, mandé la machine, mandé l'argent, comme quoi c'est juge d'instruction qui voyait lui. Une fois que le bail tout ça remande yo, il a retiré interdiction de départ, il a retiré mandat d'elle, etc., etc. Mais qu'on y a un bagay qui est extrêmement important. Bon, question pour poser dans quatre dossiers ça. Est-ce que c'est Oli Damus
qui bail Pierre Espérance information ça yo? Est-ce que Pierre Espérance RNDDH li gen preuve à l'appui qui ka justifié que greffier Élisée Cadet li té allé dans RGRTK allemand moun yo l'argent allemand moun yo machine? Est-ce que gon lien direct, gon connexion direct entre RGRTK, entre greffier et juge d'instruction Gary Aurélien? Pas de problème. Jusque là, ces questions n'a posé, ces réponses n'a cherché. Mais bon bagay. Jodi an la, accusation sa yo public. Accusation sa yo fait le tour des médias. Et même dans les médias internationaux, le juge non juge instruction Gary Aurélien, lui a fait l'appui et le beau temps, comme un juge qui a une présomption de corruption sous dos, comme un juge qui a marchandé, qui a vendu la justice, qui a vendu, qui a pris l'argent pour retirer mandat, etc., etc., suite avec rapport à NDDH. Qui sa juge instruction Gary Aurélien t'a supposé faire? En toute logique, si on moun ap mache ap sal non ou estime se menti la fè sou, la justice sa. La justice sa, al pote plainte en diffamation pou moun nan. Moun nan diffamé la fè menti sou, c'est normal pou al chèche et pou rele l devan juge, pou l bay preuve à l'appui, pou l bay témoin qui était là, pou l bay ensemble de formation. S'il pa ka bay yo tout pou fè marre l mete l côté pou la réfléchir. Entendez qui sache l'instruction Gary Aurélien dit sous dossier ça. Ouais, excusez-moi, frère, pour que je ne pas entrer dans le fond. Ok. M'abdou 1, 2, 3, 4. Et qui ça qui fait et qui ça nous mandé. Ok. N'abbaye position juge là. Le juge instructeur Gary Aurélien sur les allégations diffamatoire de M. Pierre Espérance, le directeur de RNDDH Sport, à son encontre, est diffusé à travers la presse dans le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse qu'il est en train d'instruire. Le juge et le juge instructeur Gary Aurélien reprouvent avec la plus grande rigueur les allégations mensongères et diffamatoires. Juge Aurélien, en bon créole, ou fait qu'on est, ou rejeter ça, ou voyez, bah, ils sont rejetés. Dieu réveille demain. Nous t'arrêtons pour que le peuple la comprenne, parce que l'on parle français, okay, donc le peuple la capable de comprendre. Moi, rejeter ça, Dieu réveille demain. Ok. Toute allégation mensongère, ça, yo, que M. Pierre Espérance fait, et il dit noir sur blanc dans tous les médias. Les gagnants des preuves, les gagnants des mounes que l'était qui contactent, qui viennent dans le bureau, qui dit que ils viennent dans le bureau magistrat Gary Aurélien, les bayo Cobb, les bay Monsieur Cobb, pour que Monsieur fasse des actions pour lui, soit pour annuler mandat pour lui, soit pour voyer moun vin côté que moun sa yo présenté côté yo écrit yo relé CSPJ. Nous dit que l'éclair en Haïti c'est un bon matin. Yon moun monte en radio, li prend un téléphone, li relé, li sali image yon personnage public. C'est seul en Haïti ou ka jwenn ça. Et nous dit clair bagay sa, nous pas quitter sale image nous, image famille nous, image zami nous, qui aprele nous partout dans le monde. Parce que c'est là, nous de l'école Haïti, là. Ça veut dire tout zami, camarades de promotion, zami l'école classique, professionnelle, m'a dit nous que nous compte personnage à qui les Gary Aurélien. Moi dit que moi-même pas gagné un monde qui capable oser dire on bagarre comme ça de loin voir mon campé pour dire de près que mon ça vini avec des bagailles qui extrêmement clair montrer que Gary Aurélien participe non acte de corruption li vini avec un monde qui dit que li longe comme Gary Aurélien pour faire un bagage pour lui en dedans dossier. Je mets
en défi à quel que soit monde de horizon qu'il est. Et voilà. Voilà. Donc là, on pral dim, c'est micro la presse, c'est le tribunal. Là. On pral dim, c'est micro la presse, c'est là pour venir laver non. On pral dim, c'est font interview, une interview de démenti formel, c'est ça qui suffit. Parce qu'on a un système judiciaire là, ou pas avlé, ou pas gain droit. C'est quoi l'histoire? Pas de cause comme ça, non, je suis un Gary Aurélien. Soit dit en pas kembe, soit dit en pas existé dans aucun pays sous la terre. Soit dit en pas existé ni dans le code d'instruction criminelle là, ni dans la loi magistrature là, soit dit en pas existé nulle part. Seulement, peut-être ou gain des raisons personnelles, peut-être ou ka estimé ou pas avlé empiété. Peut-être ou pas voulez rentrer dans un scandale qui pral peut-être faire retirer le dossier Jovenel Moïse en amont. Alors que dans un pas où il y a là, dossier, dans un pas où il y a là, doyen, c'est l'autre qu'on a cherché pour le mettre sous dossier. Malgré l'obstination, et c'est là, troisième péché capitaux en pral vignon, oui, parce que juge instruction Gary Aurélien Jodian, là, il y a une obstination. Juge en paré pour le bataille, il doit lui-même dossier, doyen pas ka retirer le nom. Doyen li pas partie prenante. Doyen li pas ni Martin Moïse, li pas ni Jovenel Moïse, doyen pas Jean-Marie Moïse, li pas Jovenel Junior Moïse. Donc li pas gen aucun intérêt dans dossier, li pas ka retirer le nom. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Entendez juge. Non. Ça n'a rien à voir, hein. OK. Pas de texte qui dit doyen capable de dire oui ou non. D'accord. Et, pour, et ça me fait là, mettre là. C'est parce que moi, je suis respectueux de la loi, oui. Mais, on m'a prouvé que combien ordonnance que doyen prend comme ça, déjà, depuis le doyen. Je vais prouver ça seulement. Non, combien ordonnance qu'il prend comme ça. D'accord, parce que bah, ça va me suivre. Et combien, combien juge si j'aime écrit formel avec non délai qui arrive dans 3 mois pour écrit formel. J'ai des exemples dans tête là. Dossier au speed pétition. Dossier au speed pétition. Je m'entends parler de dossier ça. Non, c'est que on juge. Doyen, c'est qu'il y a une ordonnance pareille que l'Iran déjà dans la ville depuis les doyens. Ok, ok. C'est que l'Iran seulement. Parce que la loi dit pas comme ça. C'est ce que la loi dit. Il dit que moi gagne. Alors, la loi du 26 juillet 1979, là, sur l'appel pénal là, il dit que moi gagne un temps, ni 2 mois, pour que moi fasse enquête, yo, et 1 mois, pour moi, une ordonnance pour me voyer dossier par cœur. Mm-hmm. 1 mois pour l'émission de l'ordonnance de clôture. Vous comprenez? Mm-hmm. À peine de prise à partie, de partie intéressée ou capable de faire contre moi. Mais c'est pas loin, hein? Vous n'avez pas qu'à constater ça, frère. D'accord. Bien, nous tendez, oui. Mais toujours un petit bémol à chaque ça, juge Aurélien dit. Parce que nous-mêmes, c'est faillot, n'a pas cherché. N'a pas cherché faillot, n'a pas cherché. Et ça qui fait fondement interview, en façon pour nous aider à comprendre. Est-ce que juge lui a fait fly? Est-ce que juge a fait bon genre explication pour nous carrer qui côté le camper dans 4 dossiers? Là, est-ce que nous avons une situation de récusation? Là, on a parlé de récusation, c'est parti pour une nature qui a récusé un juge. Donc, c'est une suspicion légitime, côté que le juge a pris l'argent dans le monde, le juge a pris et pris le corps dans le monde pour retirer le mandat, ou bien le juge a pris le corps dans le monde pour le tendre ou pour ne pas arrêter. Même si nous avons des RNDDH, je fais comprendre que juge Aurélien t'a pris 2,5 millions de gouttes. Non, mais ancien des géants. M'a parlé de Léon Charles, pour t'attendre Léon Charles. Moi, franchement, je cherche intérêt, bagay, ça, m'a pas qu'à ouel, m'a pas qu'à comprendre ni. Préfère te dire, t'as pris comme là pour le pas t'attendre, lui, dit le prend comme là pour le tendre. Et malgré ça, Léon Charles débarque avec un paquet de policiers par peur pour jugeant. Pour juge Aurélien pas t'arrêter. Donc, et bah yo tout blanc, bah yo devant derrière, bah yo devant derrière. Kounya, est-ce que Pierre Espérance si gon moun la protégé? Est-ce que Pierre Espérance gon moun qui mette le devant, qui pote bourré? Donc, jodian, juge instruction Gary Aurélien, il y a un ensemble d'explications, les supposés bail.
qui supposé par institution administrative li, qui c'est CSPJ. Donc juge dans CSPJ aussi a fait un travail d'enquête vrai. Yo doit rele chaque grand monde ça qui dans RJ rete corps pour yo questionner yo pour yo connait est-ce que juge Aurélien te gon relation avec yo, est-ce que greffier te gon relation avec yo? Parce que bon me dit non, pas gen bien caché l'ombrite. Pas gen bien caché l'ombrite. Ou bien tout tout nous pas bien. OK? Micro la presse, pas tribunal, on moun a fait diffamation sou, on moun a fait menti sou, c'est pour ça la justice a relèl devant juge pour bagay lan éclater pour jwenn la pou avèl. C'est de même. L'autre scandale éclaté là qui impliquait Léon Charles, ou Léon Charles écrit une lettre de démenti et puis, comme si de rien n'était, tout bagaille fini. Et on devait acheter un rapport, puis on espère acheter un rapport, et d'ailleurs, nous comptons qui pourra rapport ça au gain en dedans la République. Gain ensemble des formations que l'a circulé. Gain ensemble des formations qu'a circulé. Ou pas, même moi, ou après, il y a des gens qui ont kembe la pince, qui ont baillé au conditionnel, qui ont questionné. Ou après, je n'ai pas quelqu'un d'autre monde qui a venu et qui a tel bagay fait tel bagay. Comme si yo affirmé, comme si yo était là, etc., etc. Donc, je dis là, c'est pour ça, moi-même, toujours voulu, n'importe monde qui estime que l'autre a fait diffamation sur lui, relève devant un juge. Relève devant un juge. C'est la vérité que nous cherché, c'est l'équilibre que nous cherché. RNDDH avec Pierre Espérance, juge Aurélien estime que c'est menti n'a fait, juge Aurélien, il fait ça la loi dit. C'est consort qu'a lavé, non, c'est consort qu'a pourtant démenti, c'est pas dans micro la presse, c'est pas par interview, non, bah, ça y'a pas mine presque rien. Y'a pas mine presque rien. Donc, dossier Jovenel Moïse, la prend baf sous baf, changeons juge d'instruction, mettons l'autre, d'autant que garantie judiciaire, pas qu'à respecter pour moun sa arrêté, c'est la remessiate. Doyen ka mouke penser, repenser, et je dis là, nous, ouais, qui collé serré, qui relation, qui interdépendance qui gagne entre pouvoir exécutif là avec pouvoir et judiciaire là, parce qu'autant de juge d'instruction Abdou et ministre li. Autant de doyens Abdou ministre li. Juge d'instruction Abdou ministre. Bon, qui ça peut yodou là encore? Yodou yo dépendant de pouvoir exécutif là. Yodou yo dépendant de Ariel Henry. Yodou yo dépendant de Berto Dossé. Yodou c'est un exaoué travail. Donc, ouvrez oreille ou pour tende. L'ouvri jour pour ouais. Pas grand rien qu'après le vrai. Nèg dossé sous bluff yoé. En tout cas, mes amis. Moi, je souhaite annoncer tout à l'heure que gè gros menace là, gè gros danger pour parc industriel Caracol. Donc actuellement là, gè gros soulèvement qu'a fait avec ouvriers yo, employés yo rebelle. Bon, ouvriers disons, c'est pas employés parce que nous pas dans entreprise. Là, nous avons un parc industriel qui a payé mon chaque jour, c'est des ouvriers journaliers yo. Contestation en pile. Revendication moun yon pile. Semaine passée, hein, c'était chauffeur bus yo qui t'a revendiqué parce que ti kob y a payé ou ti kaka rien y a payé ou ti misère, ti monnaie misère y a bay ou pas ka util yon rien. Et jodi an là, c'est ouvrier qui prend la rue parce que bay moun 90 et 450 goud chaque jour. Chaque jour moun nan touche 450 goud qui équivaut à $90. $90 yo paye moun sa yo par 15 ans. Donc, sous fait 90 multiplié par 15 jours, gardez combien la baille. Gardez combien la baille. Pour nous, moun sa yo qui n'ont situation de chômage déguisé, dites à tout bien, ou parle pour garder pour visualiser un petit vidéo tout à l'heure. Moun sa yo, imaginons $90 pour yo prendre manger. Pour yon prendre plat manger la dedans pour $30. Pour yon prendre bus la dedans pour $10. Pour yon boire en boisson la dedans pour 50 goud $15, tout dépend. Donc, imaginez, nous, on garde la réalité vie, moun yo. Ou dit, jodi an là, moun rentre dans l'entreprise, nous vini, nous mettons un parc industriel, y'a plusieurs entreprises américaines, entreprises canadiennes qui viennent implanter yo, qui viennent à bailler moun travail. Soit disant travail. Condition vie moun yo. Mais l'op travail, c'est pour condition vie ou changer. Condition vie moun yo vin pi mal. L'op travail, c'est pour ka au moins fait être un petit plaisir. Qui plaisir moun sa yo fait être chaud, l'op tende moun yo dou, les quinzaines nan rive, yo oblige sauver, chaper pour yo pa paye machin manger. Yo fait 15 jours manger. On plat manger dans mes machin nan, mais les quinzaines nan rive, tellement yo getan doué sous coblan, yo oblige sauver, yo oblige chaper pour yo aller.
qui la rime pour moun sa yo. Situation difficile. Situation moun yo difficile. Donc, je dis là, on pose tête nos questions, on regarde les réalités. On parle d'entreprise américaine, entreprise qui sort Canada, vient en Haïti, vient mettre business, vient mettre entreprise. Ça qu'a fait jeans, ça qu'a fait maillot, ça qu'a fait petit balle tennis, balle de baseball. On parle de moun yo travail dû. Moun yo travail dû, ça qu'a passé dans le parc industriel, c'est en son forme d'esclavage. Parce que moun yo tellement de obligations dans le travail, yo, yo obligé. Que ou malade, que ou pas malade, que ou gen fièvre, que ou pas gen fièvre, n'importe quoi te gen fòl la. Parce que ou pas vin travail ou pas touche, son travail journalier. Ou pral comprendre que moun sa ki vin travail lan, moun sa kap touche 90 dollars, li gen te dépense 70 dollars pour journée, li seulement rete 20 dollars. Le 15 nan rive, fè 20 par 15. Mais avec qui ça, moun nan pral rentre la kaili? Moun nan pral rentre la kaili avec on 600 dollars, on 500 dollars? Qui ça le pral utile? Petit, ou achete crédit pour payer, faut bay ti moun manje, ti moun pral l'école. Donc, la vie moun yo, condition vie moun yo pas bon. Et puis la kaili yo, c'est yon nan problème qui gagne. En Haïti, autorité ou pas fait travail yo. Nous avons le ministère du travail, nous avons le ministère des affaires sociales et du travail là. Moun sa yo mande qui sa y a préglé dans le ministère là, pas qu'on est. Entreprise sa yo sorti aux États-Unis, vine planter en Haïti. Mais la kay yo main d'œuvre coûte cher. La kay yo main d'œuvre coûte cher. Ça que fait yo vine en Haïti, parce que yo connaît en Haïti main d'œuvre dans le libre marché. Autorité yo pas pour responsabilité yo pral fait deal avec yo. Y a touché ministre, y a touché quantité l'argent, l'a touché à quantité l'argent négocié en dépit en l'air. Nèg qui dans syndicat pour yo ta bataille pour intérêt ouvrier yo. Et puis sortant de mon paquet là-dedans, c'est manigette qui a fait avec patron. Et puis sortant de yo craser mouvement qu'a fait pour revendication collectif là. Et qu'on s'en dit. Si la caille ou mèdeur a touché 5, 10, 15 dollars, et puis ici, même 600 gouttes, nous pas qu'à bailler au monde. 500 gouttes, l'État est après 50 gouttes dans l'air. Moun arrêté 450 gouttes dans l'air. 450 gouttes là, c'est lui-même qui pour brasser Billy, Bill Famille, l'école, tout bagaille. Bagaille aujourd'hui, 4h du matin, 3h du matin, pour moun yon prend route. Pour y aller dans le parc industriel Caracol là. Ça, c'est pas envie. Ça, son chômage déguisé. Ça, son esclavage moderne. Des fois, moun yo oblige di, mal travail. Yo oblige lever chaque matin, yon le ti dégage, pour voisin pas fourre bouche dans bagay. Yo parce que yo peur le moun a critiqué yo. Yo peur le moun a parlé dans cause yo. Yo peur pour moun pas loger doit sou yo. Parce que ti moun pour occuper, kay pou payer. Au moins, l'on leve chaque matin, on aller dans le bagay, gen espoir. Mais là, moi, je ne fais pas de espoir. Pas de espoir. Parce que, dat moun yon nan mizè sa, dat moun yon nan mauvais condition de travail, mauvais condition de vie, ça, nous pas jamais jouer aucune autorité qui dit rien, qui fait rien. Et pourtant, il y a venu implanter zone franche. Ou tande, il y a un gros projet là, au parc industriel qui prend le fait. Nan intérêt qui est? Nan intérêt travailleur? Dans l'intérêt ouvrier ou bien dans l'intérêt patron yo. Tout ça qu'a fait en dedans paysan, c'est dans l'intérêt patron. C'est dans l'intérêt autorité. C'est dans l'intérêt gang. Ah oui, gang économique, gang médiatique. Dossier ça m'a tourné sous lit. Ah oui, m'a tourné sous lit. Des séries de monde, y a bon discours. Y a bon discours. Chaque matin, 6h du matin, tape, y a bon discours. Et puis, couillot qui était à 8h sont l'autre monde. Bah, ça va pas possible de dans le pays. Bon, bon, quitte nous vivre, on compte entrevue que le reporter nous réalise pour nous avec 4 monde qui sorti bien loin dans le caracol là. Moun yo prend soleil là, il y a foulé béton et a revendiqué. Donc, nous rete quoi, moun sa yo, faut que voix yo passe, faut que revendication yo passe, faut que nous tende sa yo gen pou di. Entendez. Qui ça qui nous là? Normalement, la revendication, nous, là, je dis, c'est 500 gouttes là, nous dit, qui va suffire pour nous, pour utile. Est-ce que nous recommandons, combien nous réclamons pour ça nous demander? Normalement, nous pas qu'à effectivement demander, mais nous demandons une augmentation. Parce que nous sommes employés, nous sommes employés, c'est lui qui décide de nous. Mais est-ce que pour nos journées là, c'est aujourd'hui nous commençons avec le plan? Depuis lundi. Pourquoi j'en ai qu'une autorité? Non.
côté de deux autres qui ont un équipe en balle. Oui, bon, Patriotes ont un équipe en balle dans le dos. La demande de l'augmentation ça la combien bon ça nous bon nous même nous pas décider parce que dans moment là nous va gon l'état qui ca ba un salaire minimum mais faut qu'on va y connait pour dire on va venir passer 500 gouttes là bas ici nous mettre d'accord je dis à la voix la police vient tirer bas sur non. Manger, est-ce que pas que la responsable manger nous, bien c'est nos 500 gouttes là? Non, 500 gouttes. C'est bon, là, on pose 50 gouttes. En tout, on fait 40 dollars pour journée. Manger 30 dollars, pour manger matin, pour manger 15 dollars. Expliquez bien pour l'autre homme, vous avez gardé. Vous faites réunion avec ma chaîne, vous avez mangé 30 dollars. Pendant 7 ans, on a travaillé pour aller mettre 10 dollars. Vous avez fait qu'une réunion avec nous. Qu'on nous dit nous. Nous disons 500 gouttes. 500 gouttes. Des fois, on prend 50 gouttes comme taxe. L'État. Pendant 7 ans, il y a un État. Pourquoi? Vous prenez taxe, mais pas pour l'État pour augmenter son salaire. C'est ça, nous besoin de revendication. Nous 500 gouttes là, nous mangeons une fois là-dedans. Deux fois. Matin, il faut manger. Midi, il faut manger. Manger 15 dollars matin. Manger à 15 dollars. Prévage 15 dollars. Faites 30 dollars dans la matin. Manger 30 dollars après midi, prévage 15 dollars. Faut bien faire manger pour travailler. Ça veut dire pour une journée, nous sommes manger 60 dollars dans 80 dollars. Puisque ça, éco-machine. Même si tu es au cap, éco-machine. Et machine, ne va pas la responsable. Non, mais on dit à Baye Mouté encore. Mais on dit à Baye Mouté. Et mais gaz dans le pays. Gaz monté. Si l'autorité n'a pas. Si l'autorité n'a pas décidé, je dis à la, répondre à la revendication, c'est qui ça suit la vie. Qui au café pas gaz. Parce que nous prenons gaz. Qui est-ce qui prend balle? Nous avons manifestation pacifique. Nous avons mis qui prend balle.
augmentation salariale. Ça va 500 gouttes. Tout bagaille. Gaz là, son produit transversal. Depuis que gaz monte dans le pays, ça allait doit monter tout. Oui. Parce que tout produit est monté. Papa, tu vas dire 15 dollars. Mais vous payez normalement, vous payez nous pas 15 jours ou bien. Pas 15 jours, chaque jour toujours. Vous touchez dans vendredi, dans samedi, vous touchez toujours en bas. Manger. Vous touchez toujours en bas. Manger, nous mangeons, c'est secret du national. Oui, c'est secret. Alors vous payez, vous payez toujours de vous demander, vous payez petit, vous payez quand vous payez. Vous toujours de nos soirées. Nous pas besoin de combat qui est en Panago. A toujours été là. Depuis ce moment, on nous marrons. Tellement fait. Nous serons fait quand nous serons pas finatrés. Nous serons pas finatrés dans le film. Donc, on va faire ça. Madame, on va faire ça. On va faire ça pendant 7 ans. Pour ne pas prendre réalité à comment il est. Après tout dépôt ça, après tout dépôt ça, nous devons faire. Payer manger, payer machine. Combien de copes qui restent dans le monde? Pas de copes. Hey, ok problème bon, bagay la piti. Rete la pale. Zers of Moringa pote solution. 15 outils se pomade pour l'an même. Sak pral permet ou rallonge pene. Bal longue vle, épaisse vle, pou moun vle. Nan 90 jours seulement, solution nan men ou pardon yam. Et ou même ka fè rove. Ah, madame nan pa vlo nan kay la. Kout ki lot fè pou pou. Ou fè bek atè? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gebon yon traitement 100% naturel pendant 90 jours, tout bek atè fini, za fò réglé nan bon ti mami. Tout garçon qu'a utilisé entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin de peur. Produit 100% naturel, yo testé et approuvé. Relé dans 514 886 97 76 ou bien dans 37 55 46 06. Ou bien tout, passez sur le website là, www.zestofmoringa.com. Suspend plein. Zest of Moringa, c'est solution. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sorti lundi pour arriver vendredi, depuis fait 2h, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous bral la valet pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.